Donc, bonsoir les coulins. Je m'appelle Isaac Fanger, je n'ai pas parlé français. Pour l'instant, on a parlé hybride. Aaron et Amtargen, je vais traduire. C'est que vous comprenez moi. On a besoin d'Hachem, Nagid Kabat Varim, et vous êtes Chodesh Adar. On va essayer de dire plusieurs choses sur le mois de Adar. Chazal, un bon nom, je n'ai pas Adar, Marbi Besimcha. Et ça, j'enseigne que lorsque vient le mois d'Adar, on doit multiplier la joie. אז מפה לומדים שאם חזל מצווים אותנו להרבות בשמחה, סימן שזה אפשרי. De là on apprend que si les sages nous ordonnent de multiplier la joie, ça veut dire que c'est possible. זאת אומרת שאם אני רוצה עכשיו להרבות בשמחה, בלי קשר למה שקורה איתי בחיים, אני יכול. Ça veut dire que si je veux maintenant augmenter ma joie sans aucun contact avec l'extérieur, ça veut dire que c'est possible. אז בוא נבין שהנקודה הראשונה זה לדעת שזה אפשרי. Premier point, c'est de savoir que c'est possible. אם אנחנו רוצים לעשות משהו בחיים, כלל ראשון, צריך להבין שזה אפשרי. Et toute chose dans la vie, si on veut réussir, c'est tout d'abord de croire que c'est possible. מי שבנה את הבית כנסת הזה, לפני שזה היה מוכן, זה היה בראש שלו, בגדר שזה אפשרי. Avant, cette synagogue, quand elle a été construite, avant d'être construite, elle a été pensée possible d'être désisté par quelqu'un. Celui qui a fabriqué ce micro, il a pensé tout d'abord dans sa tête que c'était possible. Si je ne crois pas qu'une chose est possible, je ne vais même pas essayer. Mais si je crois que c'est possible, alors je vais peut-être même réussir. Je vais vous donner un exemple sur moi. אני לא נולדתי אדם דתי. Je ne suis pas né religieux. עד גיל 25 הייתי טיפוס ממש חילוני. Jusqu'à mes 25 ans, on peut dire que j'étais laïque. גדלתי בהרצליה. J'ai grandi à Herzliya. מכירים הרצליה? Vous connaissez? יש הרצליה פיתוח? אז לא שם. Pas là-bas. ליד. À côté. הייתי בצבא מפקד טנק בשריון. J'étais un commandant d'un tank dans Shiryon, à l'armée. אחרי זה הלכתי לאקדמיה, למדתי פסיכולוגיה. Après j'ai été faire des études de psychologie en académie. התמחיתי ברפואה אלטרנטיבית. Ensuite je me suis tourné vers la médecine alternative. שלחו אותי למזרח הרחוק, הייתי נזיר בודהיסטי שנה וחצי. Ils m'ont envoyé en Asie là-bas, j'étais un moine bouddhiste pendant un an et demi. וחזרתי, תרתי משמע, גם בתשובה, גם לארץ. Et après je suis revenu, j'ai fait teshuva et je suis revenu en Eretz Israël. אז בגלל שאני הייתי בצבא, מפקד וקצין. Alors en raison que j'étais un commandant officier supérieur à l'armée. J'avais reçu le numéro du grand rab de Tsahal. Et il m'a dit, s'il te plaît, Fanger, rends-moi service. Au rabbanim, c'est interdit à eux de rentrer dans l'armée. Seul celui qui a servi dans l'armée, il a la possibilité de rentrer dans les bases militaires. Et moi je suis désolé de te dire, mais toi, tu es le seul qui a fait l'armée. Et en parlant, comme tu étais en plus combattant, officier majeur, alors toi tu as la possibilité de rentrer dans toutes les bases militaires. Et comme ça a commencé un projet de travailler avec tous les soldats. Les chayalim qui veulent se renforcer, on les amène à notre yeshiva. J'enseigne dans une yeshiva de gens qui font tshuva. Et là-bas, il y a... Chaque pourim, il y a des élèves qui font des spectacles. Il y avait un des soldats, un des jeunes hommes qui venait de l'armée. Il venait d'une unité spéciale. C'était un entraîneur de combat d'arts martiaux. Vous avez compris? Alors là-bas, à Purim, il faisait des spectacles. Et un des Purim, il a décidé de briser des choses. Et il a cassé toute chose qui bougeait. Il cassait tout, les chaises, avec sa tête, ses bras. Alors il a amené ensuite des briques.
Je veux, il a demandé quelqu'un pour participer du match. Pour vous montrer que tout le monde peut y arriver. Et moi j'étais dans le public. Quand il a demandé qui veut venir participer, j'ai baissé les yeux. Et d'un coup j'ai entendu Rafanger, viens. Mon enfant, mon petit garçon, il m'a dit, vas-y papa, vas-y, montre-lui. Tais-toi. Il y avait une pression et finalement j'ai été. Alors il m'a mis en place trois briques, deux sur les côtés et une haut en haut. Il a mis donc un X sur la brique du milieu. Il a dit lève la main. Et baisse la main rapidement et tu vas la briser. Pour t'aider, rappelle-toi de deux choses. La première, imagine que ta main elle traverse la brique. Deuxième chose, c'est pas une brique, c'est de la glace. Et donc j'ai levé la main, je l'ai baissé et j'ai frappé. Ça va, dis ou non? Est-ce que j'ai cassé la brique selon vous ou pas? Je vais expliquer ce qui est arrivé. Je suis arrivé avec le feu dans les yeux et le couteau entre les dents. J'ai baissé la main rapidement. Mais un instant juste avant de frapper la brique, a commencé une voix intérieure en moi. On est Fanger, maintenant, c'est. M'a dit Fanger, qu'est-ce que tu fais? On est mal durant le chemin. Je lui ai dit, moi, je brise des briques. Au bout d'un chemin levé. Toi, tu brises des briques. Moi, je brise des glaces. C'est pas vrai, c'est de la glace. Moi, c'est de la glace. C'est de la glace. Regarde bien, c'est de la glace. Ben, regarde, il est venu. Ah, oh. Et je me suis fait mal. Selon vous, est-ce que j'aurais pu briser la brique ou pas? Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Il est possible, il est fort possible que j'aurais pu, oui, la briser, mais celui qui m'a empêché, qui m'a détruit de le faire, qui m'a empêché, c'est moi-même. Car si je me dis moi-même à l'intérieur que je ne suis pas capable, alors je ne suis pas capable. Mais si je me dis à l'intérieur que je peux vraiment y arriver, est-ce que je peux y arriver? Si j'y crois que c'est possible, alors c'est possible. Et ça c'est vrai pour le couple, pour notre santé, par rapport à nous. Si je crois que c'est possible, alors c'est possible. Donc ça veut dire que quand les sages enseignent que dans le mois de Hadar on doit multiplier la joie, c'est un signe que c'est possible. Alors venez, on avance. On a dit que pour moi, pour renforcer, c'est que dans le mois de Hadar, la simcha elle vient dans le mois de Hadar. C'est quoi le signe astrologique du mois de Hadar? Poisson. Pourquoi le poisson c'est le seul signe astrologique animalier qui est double? Il y a deux poissons. L'un poisson et un. L'un poisson. Il y a deux poissons par an. Kolch ar balechaim. Un. Et je n'ai pas grave, satan, chaud, khat, l'oshnaï. Tous les autres, ils sont singuliers. Le scorpion, le bélier, le taureau, ainsi de suite. Mais qu'à deux poissons? Pourquoi deux poissons? Parce que rien, car on est fan. C'est gratuitement un seul comme pour un autre. Et la siba, khat, on est chazal. Chie shana merdberet, merabrimet chodeshadar. Seulement c'est pour enseigner que quand il y a une année en polysémique, c'est-à-dire qu'il y a deux mois de Hadar, c'est pour cela qu'il y a deux poissons. Il y a donc le premier mois de Hadar et le deuxième mois de Hadar.
אבל סיבה נוספת. Mais une autre raison. כי הדגים זה הסוד של השמחה. Parce que le poisson, c'est le secret de la joie. הדגים מצוירים בשמיים בצורה כזאת. Les poissons, ils sont dessinés dans le ciel, enfin, les étoiles, en étoiles comme ça. אחד כנגד השני. Un contre l'autre. ללמד אותנו שמכל סיטואציה בעולם אפשר להסתכל עליה לפחות בשני אופנים. Pour nous enseigner que chaque situation dans la vie, elle, on peut la voir toujours de deux manières. בכל מקרה בחיים אפשר להסתכל עליה בשני צדדים. Chaque, on peut le voir de deux côtés. בוא נגיד משפט אחד, תזכרו אותו. Venant d'une phrase et rappelez-vous de celle-ci. אלוקים נותן את המצב ואנחנו קובעים את המצב רוח. Dieu fixe la réalité et nous nous fixons notre état d'être. Je vous donne un exemple. Moi, un jour, j'ai pris la voiture et je me suis embourgé. J'étais coincé dans un bouchon. Le Waze, il a dit. Zman Meshua Babkak, 25 dakotes. Le temps de bouchon sera de 25 minutes. Maintenant, moi, je crois que ces 25 minutes-là elles ont été fixées du ciel. C'est une souffrance. אבל כמה אני אסבול, זה תלוי בי. Et combien je vais en souffrir, ça dépend de moi. אני יכול 25 דקות להתעצבן. איזה מדינה! אני משפץ כבישים בשעה הזאת! Je peux pendant 25 minutes m'énerver, me dire, c'est quoi ce pays? Qui c'est qui vient, qui rentre à cette heure-là? לסבול כתוב. Et je souffrirai bien. יש לי 25 דקות, אני יכול גם לשמוע שיעור תורה. Pendant 25 minutes, je peux aussi écouter un cours de Torah. אני ללמוד עם עצמי, פנגר בוא ללמוד, שאני רוצה ללמוד. Je peux apprendre de moi-même, enfin, regarde comment tu vas, oui, je t'aime bien, et toi? Et je vais essayer de faire mes chèques, une fois que je suis en musique. En attendant 25 minutes, je peux écouter de la musique. Et c'est une fois que je suis en musique, une fois que je peux appeler ma mère. Qui l'a de sa katsami d'aï? Ah, moi, il y a une salle, ça va bye. La fille, comme ça, on speak. Parce qu'avec mon père, c'est des discussions courtes, du genre, ouais, comment ça va, ouais, super, allez, au revoir. Ima, c'est père, c'est père, avec du monde, ma mec. Avec de la mère, il y en a toujours de quoi dire. Et c'est 25 minutes, il faut le cacher l'ishti. Pendant 5 minutes, je peux appeler ma mère. Ma femme. C'est qui ma femme? C'est qui ma femme? C'est qui ma femme? Alors, 25 minutes, il faut le cacher l'ishti. Comment il se voit, c'est à l'oubi. Donc ces 25 minutes, elles sont fixées du ciel. Et comment moi, combien j'en souffrirai, ça dépend de moi. Bon, très haut de moi. Je vais vous donner un autre exemple. J'étais en voiture. Il y a une voiture qui m'a coupé la route. Je me suis énervé. Il m'a coupé la route, ce... C'est insolent. Qu'est-ce qui m'est passé selon vous par la tête quand il m'a coupé la route? Qu'est-ce que je me suis dit? Allez, dites sans honte. Hein? Un robot. Quand se serait-il passé si j'avais vu qu'à côté de lui était assise sa femme enceinte et ils étaient en chemin vers l'hôpital? Est-ce que je me serais énervé? Mais il m'a coupé la route. Si on lève top. Maintenant, écoutez bien, c'est le fait que l'homme a coupé la route, c'est pas ça qui m'a énervé. Ce qui m'a énervé, c'est ce que je me suis dit au moment où il m'a coupé la route. Et c'est pareil pour sa femme, pour ses enfants, pour son mari, pour sa belle-mère. C'est pas ce qu'ils font qui m'énerve, c'est ce que je me dis au moment où ils me font du mal qui m'énerve. Alors rappelez-vous de cette phrase. Changez votre manière de penser et vous changerez votre ressenti. Je n'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur de moi. Mais je peux dominer ce qui se passe à l'intérieur de moi.
להרבות בשמחה. Alors une fois qu'on a compris que c'est possible de augmenter la joie. הדרך זה לא לשנות מה שקורה מחוץ לי. Le chemin pour y arriver, c'est pas de influencer sur ce qui se passe à l'extérieur. זה לשנות איך שאני מפרש את מה שקורה מחוץ לי. C'est de changer ma manière d'interpréter le déroulement des événements extérieurs. תפרשו בצורה טובה. תרגישו טוב. Changez votre manière de penser, alors vous aurez bien, et alors vous vous sentirez bien. וזכור תלוי בנו. Et tout dépend de nous. Je vous donne un exemple, j'ai un ami qui a des enfants très tzadikim. Chacun d'entre eux, c'est des stars. Je lui ai demandé alors, c'est quoi son secret? Comment t'as fait? Moi aussi, je veux ça. Il a répondu que tout ça, c'est par le mérite de ma belle-mère. M'a dit la belle-mère? C'est pas facile. הוא אמר, כן, אני אספר לך, שבועיים אחרי החתונה, הייתי בבית של אשתי. Oui, c'est possible. Deux semaines après m'être marié, je me suis retrouvé dans la maison de ma belle-mère. ואימא של אשתי הייתה מלאה רם. על המשפחה שלי, על אימא שלי. Et donc ma belle-mère, elle était énervée de ce qui s'était passé sur moi, sur ma mère, avec ma mère. Elle avait décidé que ma famille, elle était simplement venue manger au mariage et elle n'a pas payé de taille d'échelle. Elle s'est énervée que ma famille n'a pas donné assez de cadeaux à ma fille. ואני אוכל את הארוחת צהריים. אני אוכל את הארוחת בוקר. Donc elle était en train de manger le petit déj. והיא החליטה לפתוח את הפה. Et donc elle s'est énervée. ואמרה לו, אתה! והמשפחה שלך! ואמא שלך! Oui, toi, ta famille et tout ça, etc. קדשה אותו! עכשיו הוא אוהב. Il était choqué. Vous l'en découvrez. Mais finalement, il s'est stoppé et il est sorti dehors. La maison de son rav, elle était juste en face. Alors il a approché le rav en lui disant, écoute, il m'a arrivé quelque chose. J'étais donc dans la maison de ma belle-mère et ma belle-mère, הרב מקשיב לו. והרב ניקוץ. ואז הוא שואל אותו, תגיד לי, הייתם לבד בבית? אבל הרב אלא מודי, איקוץ, איקוץ, מה? איזכו מוסיץ שיש סל דור למיזון. מה כן, היינו לבד. אוי, אני זה סל. מה, אף אחד לא שמע אתכם? כוי, פרסן זה אנטנג'ו? לא, אף אחד לא שמע אותם. פרסן זה אנטנג'ו. אומר לו, הרב, אז היה חלום. והרב אלו ג'י, איקוץ, מה? זה הייתי הרב. אומר לו, מה? כוי? זה היה חלום. C'est un rêve. Non, c'est un rêve. Un irradié de Khalotim. Comment ça, un rêve? Je suis réel. Au moins, l'avoir fait chez Vitov. C'est un chalom, mais trop. Dis, écoute-moi bien, c'était un rêve. Au revoir. Le rôle, c'est un gars qui m'a marre. Chalom, ton chalom, chalom. Il n'a pas voulu rentrer dans la discussion et finalement, il a dit Ram Toram Shalom et il est parti. Ou alors, le l'eau s'est perdue là, Fichal. Il est parti et il n'a pas raconté ça à personne. Gabloni, Ishto. Même pas à sa femme. Moi, il a fait un terrible marché, ma chalom, je m'attends. Comme si tu pouvais dire j'ai rêvé ma belle-mère, ça ne sonne pas bien. Mais après deux semaines, la situation elle s'est renouvelée. Il était donc dans la maison de sa belle-mère. Elle s'est approchée de lui. Elle m'a dit, écoute, je veux m'excuser sur ce qui s'est passé ici il y a deux semaines. Et tu crois, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Et merde, bien. Elle est. Par contre, ça coûte. C'est drôle. Tu me dis là. Ou là, il y a. Dit quoi? Peut-être que t'es malade, tu te sens pas bien. Il vient être comment je vois ça. Elle a compris ce qu'il faisait. Mais merci. Très charmé, maman. Elle a été touchée. Mais il trilla le barrer autant. Elle a commencé à le bénir. Je dis qu'elle est à l'insadikin. Que tu mérites des enfants, ça te dit. Un shalom bayit. Un shalom bayit. Et bis chouta, je t'ai créé le Et par son mérite, j'ai des enfants comme ça. Yeah.
הוא אמר, תנסה לדמיין איך זה יכולה להיגמר אחרת. Essaye d'imaginer comment ça aurait pu être si ça serait passé autrement. Si je m'étais battu, j'aurais répondu à ma belle-mère. Je serais allé voir ma femme en disant ouais, on va plus jamais de la vie chez ta mère. Ouais, on parle comme ça de ma mère. Pensez comment ça aurait pu finir autrement. Dans chaque situation de la vie, il y a toujours deux options. Soit s'énerver. Soit grandir. Soit accepter la remontrance. Soit s'énerver. Soit mettre la faute sur les autres, soit devenir responsable. אז אנחנו רוצים להיות מאושרים, תזכרו, מזל דגים הוא לא סתם כפול. Donc si on veut être heureux, il faut toujours se rappeler que le poisson, il est double. ללמד אותנו שמכל מצב אפשר להסתכל עליו בשני אופנים לפחות. Pour nos enseignations, chaque situation, il a toujours deux façons de voir au minimum. אבל לפעמים זה לא כזה פשוט. Mais souvent, c'est pas si facile. לפעמים מצבים באמת הם קשים. Des fois, la situation, elle est vraiment dure. אני עובד עם חיילים. Je travaille avec des חיילים, des soldats. Ils m'ont envoyé faire une conférence dans une base à Gaza. C'est une base où les soldats là-bas ils se déguisent en arabe pour infiltrer. Ils n'ont pas le droit d'avoir de téléphone, ils ont seulement le téléphone spécial de l'armée. Et là-bas, il y a un soldat qui reçoit un coup de fil de son commandant, son officier. Un fakir de Renault Kachif, un lot de Khadilhadze, un fenêtre sans Khadilhadze, est un bon adorchim. Son commandant, il lui a dit, écoute, je ne sais pas si je peux te le dire, mais il y a 25 minutes, il y a eu un accident. Je suis désolé d'apprendre, et ton père était présent dans l'accident et il est décédé. Le Khaïl, il a dit qu'à ce moment, il a senti que le ciel lui tombait dessus. Alors le Khaïl lui a demandé à son commandant, mais attends, pourquoi c'est toi qui m'appelles et pas ma mère? Je ne sais pas si je peux te dire, mais ta mère aussi, elle était présente dans l'accident. Et elle aussi, elle est décédée. J'ai senti comme si que la terre elle s'ouvrait. Ils sont deux enfants et il avait aussi une petite sœur. Et donc j'ai demandé, attends, pourquoi c'est pas toi qui m'appelle et pas ma petite sœur? Et je sais pas si je peux te dire ça. Mais ta petite sœur aussi elle était dans l'accident. Attends, elle a été tuée. Non, elle est blessée légèrement, elle se porte bien. Voilà. Après les Shiva, le deuil, je me suis demandé, mais pourquoi je me suis réjoui? J'étais vraiment content. Et pourtant, j'avais perdu mes deux parents. Et même dans cette situation compliquée, j'ai réussi à trouver une chose positive. Même dans toute cette obscurité, j'ai réussi à trouver un point de lumière. Il a dit que cette histoire, elle lui a changé sa vie. Si j'ai réussi à trouver un point de lumière dans une obscurité telle que celle-là, dans chaque situation, alors je pourrais trouver une pointe de lumière. Dans chaque situation, je peux trouver quelque chose de positif. Alors, quand les sages disent qu'au mois d'Adar, on doit multiplier la joie, il faut tout de suite croire que c'est possible. Et ça dépend seulement de nos pensées. Et chaque situation, on peut l'expliquer de deux manières. Il faut savoir que même quand on est dans une situation vraiment dure,
תחפשו את הנקודה של האור. Cherchez le positif. בואו ניקח עוד צעד. גם כשאנחנו נמצאים במצב קשה, même si on est dans une situation difficile, תסכימו איתי שיכול להיות קשה יותר. Vous serez d'accord avec moi que ça peut être pire que ça ne l'est. ולפעמים שאפילו רק חושבים כמה גרוע יכול היה להיות, et même si on peut penser combien ça aurait pu être pire, פתאום המצב שלך נראה אחרת לגמרי. Alors d'un coup, notre situation me paraît beaucoup mieux. ספר על עצמי. Je vais raconter sur moi. אני כמעט כל שבת במלון. Chaque Shabbat, je suis dans un hôtel. Je donne des conférences. Et je travaille avec toutes sortes d'associations. Un des hôtels dans lequel je me rends, c'est l'hôtel du Kinar. Le Kinar, il est donc en Israël, à côté du lac du Kinneret. Et je suis là, je me rends là-bas environ une fois par mois. Ça fait 15 ans. Je connais les réceptionnistes depuis qu'ils sont petits. Et toujours quand je viens, je reçois les mêmes chambres. Soit la chambre 341, soit la chambre 241. C'est une suite dans un coin, à un étage près. Dans l'histoire que je vous raconte, j'avais reçu la chambre 341 au troisième étage. J'étais venu au Shabbat fatigué. Après le repas du soir, nous étions qui à l'étage du milieu, nous étions montés d'un étage. אבל כשסיימתי את ההרצאה ב-12:30 בלילה, זה היה באולם ההרצאות, בקומה ראשונה. Et quand j'avais donné ma conférence, c'était minuit et demi, et cette conférence elle était donc au premier étage. אז עליתי קומה אחת ובאתי לחדר. Et donc je suis monté d'un étage pour aller à la chambre. ובמקום להגיע ל-341, באתי ל-241. Et donc au lieu d'aller à la chambre 341, j'ai été dans la chambre 241. אין לי מפתחות, שמחתי על המשפחה. J'avais pas été, donc j'étais content qu'il y ait ma famille à l'intérieur. Il est minuit et demi et j'arrive à la chambre. J'ai toqué, personne n'a ouvert. Même chose. D'un coup, il est passé un employé de l'hôtel. Ils me connaissent. Il dit, ah, Rav, tu veux que je t'ouvre la porte? Oui, merci. Oui, merci. Il est rentré. Et la porte, elle était dans le noir, complet. Et le Rav, je n'allume pas la télé, la lumière. J'ai fermé la porte et c'était encore plus sombre. Je ne vois rien. J'étais dans la chambre. Je me rappelle que j'avais laissé la lumière aux toilettes et je me dis, mais qui a éteint la lumière? Donc je rentre dans la profondeur de la chambre. Je me rappelle qu'on avait rapporté un koum-koum. Donc je regardais là, et là-bas il y avait le lit. Et d'un coup, de ce côté-là, il y a un homme qui se met à crier dessus en russe. Moi dans ma tête, le fait que je sois dans la mauvaise chambre, c'est la troisième option. Ma mère m'a toujours enseigné que dans ces moments-là, il faut d'abord fuir, on sauve son corps, après son âme. Comment dit, excusez-moi. Donc je me suis enfui. En fuyant, je comprends mon erreur. Vous n'avez aucune idée combien j'étais content de rentrer dans ma chambre. J'étais rempli de joie et j'ai embrassé les murs.
אני עברתי ליד הילדים, ילד ילד, נורמלי. הגעתי לאשתי, טוב, גם טוב. עשי שקן בזמן, היא מן מפעם. מה קרה? מה קרה? לא שדרגו לי את החדר, לא קיבלתי רום סרוויס, מה קרה? J'ai, pourtant, j'ai pas reçu de service spécial, j'ai pas eu de meilleure chambre, alors pourquoi j'ai été autant joyeux? Comment en un instant j'ai pu être autant joyeux? Seulement Hachem m'a montré que combien en un instant ça peut être grave. Donc si vous êtes heureux dès maintenant, et sans aucun lien avec ce qui se passe, essayez de comprendre combien ça peut être pire. Et donc, on va commencer à apprécier ce qu'on a. Alors, au lieu de se plaindre sur ce qu'on n'a pas, venez, on apprécie ce qu'on a déjà. Donc, au lieu de se plaindre sur ce qu'on n'a pas, il faut se réjouir de ce qu'on a déjà. Et si on se réjouit de ce qu'on a reçu, et on ne s'énerve pas sur ce qu'on n'a pas reçu, alors je peux me réjouir. Je vous donne un exemple. Il y avait une femme, elle est partie se coucher l'après-midi. Elle s'est levée de sa sieste, elle a dit, écoute, elle dit à son mari, écoute, j'ai rêvé. J'ai rêvé que dans ce rêve, tu m'offrais un collier de perles et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Elle dit, ce soir tu sauras. Elle était excitée. Donc le soir, il lui rapporte un cadeau. Elle ouvre. Bukanala. Il lui avait acheté. Sefer Pitron Chalomot. Il lui avait acheté un livre de comment résoudre les rêves. Et donc, mais pourquoi il lui a acheté un beau livre? Mais elle avait imaginé les perles déjà. Alors elle était énervée contre le livre. Au lieu de s'énerver sur ce qu'elle n'a pas reçu, venez, on profite de ce qu'on apprécie ce qu'on a déjà. Au lieu de penser à ce qu'il y aurait pu avoir, venez, on apprécie ce qu'il y a. Encore une chose importante à savoir. On a dit, c'est possible. Ça dépend de nos pensées. Et qu'on peut aussi trouver donc la pointe de lumière dans l'obscurité. Et on a compris que l'obscurité, elle peut être pire que ce qu'elle l'est. Alors maintenant, on se réjouit de ce qu'on a. Mais souvent, se réjouir seul, c'est compliqué. C'est pour ça que pendant le mois de Hadar, il y a 4 mitzvot. Pourim. שתי מצוות של נתינה ושתי מצוות של להיות ביחד. Il y a deux mitzvot qui sont liées au don et deux mitzvot qui sont liées au fait d'être ensemble. שתי מצוות של להיות ביחד זה משתה ושמחה וקריאת מגילה. Les deux mitzvot au fait d'être ensemble, c'est donc la lecture de la Megillah et le Mishté. כי באמת להיות לבד קשה לשמוח. Parce que seul, c'est dur de se réjouir. אנחנו רוצים להרגיש שיש לנו עוד מישהו. On veut ressentir qu'il y a encore qu'il y a quelqu'un d'autre. אבל לא סתם עוד מישהו. Et pas simplement quelqu'un. Quelqu'un qui nous apprécie. Quelqu'un qui nous fait honneur. Quelqu'un qui nous aime tel qu'on est. Je vous donne un exemple. J'étais moi avant le corona présent à Singapour. Il y avait un jeune Israélien qui là-bas il travaillait dans une société de high-tech. Il travaille depuis là-bas depuis 5 ans. Et il a voulu avoir une augmentation. Mais il est timide. Il a honte de demander. La femme elle est plus roula, donc elle dit vas-y, va, demande. Donc il a reçu du courage et il est allé. Donc il va voir son patron, il lui dit, écoute, s'il te plaît, donne-moi une augmentation. Ah bon, si tu l'appelles, t'as mal au tout d'abord. Kibala.
Le patron, il hésitait. Finalement, il a dit, tu sais quoi? Allez, j'accepte. Ou ma psoune, chazar abayt, patach tadel, ma l'chot akshiri, qui va dire là. Donc il est rentré, il avance à sa femme et ils étaient tout contents. Ishto hakin aluchat erev kon shu'ev im nerot, ma ze chamota. Sa femme, elle a préparé un repas avec les bougies, la totale. Ve'al ha'tzalachat shelo shama lo mikhtav. Et sur son assiette, elle avait mis une lettre. Hu patach ta mikhtav v'ikatva lo kacha. Et il ouvre la lettre et comme ça disait. Ba'ali ha'yakar, yadati shetekabel ta'ala. Sur mon cher mari, je savais que tu allais recevoir cette augmentation. Ani kol kach ge'a b'cha. Je suis tellement fier de toi. Tout ce repas, je l'ai fait pour te montrer combien je t'aime. Ils sont assis, ils ont mangé. Alors elle s'est levée pour apporter le dessert. En se levant, elle tombe d'elle une autre lettre. Elle ne savait pas que son mari allait vraiment recevoir l'augmentation. Alors elle avait préparé deux lettres. Et donc quand elle s'est levée, elle a fait tomber l'autre lettre. Il la prend, il la lève, il l'ouvre. Et comme ça, elle avait écrit. Bali ayakam. Shamay. Ça ne change rien que tu n'aies pas reçu l'augmentation. Je suis tellement fier de toi. Tout ce repas, je le fais pour te montrer combien je t'aime. Vas-y, trifkot. Alors il s'est mis à pleurer. Car pour une fois, il a senti que sa femme l'aimait comme ça, gratuitement. Sans condition. Peu importe qu'il amène ou pas de l'argent. Elle l'aime comme ça. Et ce jeune homme me raconte l'histoire. Et moi, je suis retourné à mon hôtel. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qui c'est qui m'aime comme ça? Et je ne dirai pas c'est quoi la réponse à ça. On vit dans un monde où tout le temps on nous fait des remarques, des reproches. Tout le temps tu ne te sens pas assez bien. Pas assez mince, pas assez gros, pas assez petit, pas assez grand. Tout le temps, on se compare par rapport à notre entourage. Mais tu te sens seul. Comme si que ouais, j'ai plus la force de rien. Je vais me lever, de partir, c'est où? C'est tout. Et donc c'est pour ça que l'important, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, comme ça. C'est une chose très importante pour nous tous. Donc j'étais un commandant de tank à Shirion. Et au Liban, j'ai perdu mon meilleur ami. Ça a été dur pour moi. Parce que j'étais son commandant et je me sentais comme son père. Et que j'aurais dû le garder. Mais ce n'est pas vraiment comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai pris, que je l'ai ressenti. Et la personne qui m'a consolé, c'était sa mère. Sa mère, elle m'a dit une phrase que je n'oublierai pas. Elle m'a dit que la compassion, ça soigne toute maladie. Et la compassion, il faut en donner d'abord à nous, aux autres. On ne peut pas être heureux si tout le temps on se fait du mal à soi-même. Et si on ne sait pas soi-même, personne ne le fera. C'est pour ça qu'à Pourim, on se déguise. Pour pas qu'on se fie à l'extérieur. Pour comprendre que derrière chaque masque, il y a une âme. Une âme d'enfant. Une âme de jeune fille. Et peu importe l'âge qu'on a. Et comprenez combien c'est combien l'un a besoin de l'autre. On a dit qu'à Pourim, il y a 4 mitzvot. 2 mitzvot sur le biyachad. 2 mitzvot au fait d'être ensemble. Et 2 mitzvot sur le netina. Et 2 mitzvot qui est au don. Qui est maintenant sur notre moucharim, c'est la date en tête. Parce que si vous voulez être heureux, il faut apprendre à donner. Ils ont fait une expérience aux États-Unis.
Ils ont pris des élèves et ils les ont séparés en deux groupes. Chaque groupe a reçu une enveloppe de 20 dollars à l'intérieur. Au premier groupe, ils ont dit prenez ces 20 dollars et achetez ce que vous voulez pour vous-même. Et à l'autre groupe, ils ont dit prenez ces 20 dollars, achetez quelque chose à quelqu'un d'autre. Un cadeau, peu importe, à votre mère, à votre père, à votre ami, peu importe ce que vous faites, à ce que vous voulez. Donc, le premier groupe a acheté quelque chose pour lui-même et l'autre groupe a acheté quelque chose pour l'autre. Et ils ont recherché à savoir quel était le groupe le plus joyeux. Selon vous, quel était le groupe le plus joyeux? Mais ça semble pas logique. Ceux qui ont acheté pour eux-mêmes, concrètement, ils ont acheté quelque chose. Ceux qui ont acheté pour les autres, ils ont perdu les 20 dollars. Ça pour enseigner que si vous voulez être heureux, donnez. Vous savez que les deux autres mitzvot à Pourim, c'est lié au don. Matanot la'evyonim, le don pauvre, et le mishloach manot aux amis. Encore une dernière chose. Si vraiment on veut être joyeux, venez, on soit sincère, la vie n'est pas facile. Mais l'allusion, elle est faite dans le mot du mois de Adar. Le mot Adar, il est composé de trois lettres. Masberim Chazal, Aleph, c'est Alufo shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Aleph du mois de Adar, c'est l'allusion à Hachem qui est Alufo, le champion du monde. Dalet, Resh, Dar, c'est Akadosh Baruch Hu, Nimsa Itan. Dar, Dalet Resh, ça veut dire Dar qui habite avec nous, qui est présent auprès de nous. Echad Chayalim Akravim, un des soldats combattants. Il m'a dit qu'une des choses qui me renforce dans les moments difficiles, c'est une des choses qu'une fois son grand-père il lui avait dit. Il lui a montré les deux doigts comme ça. Il a dit, Hachem, il est plus proche de toi que les deux doigts de la main. Et si je veux être en joie, je dois vraiment me renforcer dans cette croyance. Que peu importe ce qui se passe, vous n'êtes jamais fini. On a rappelé les soldats. Chaque année se suicident 500 personnes en Israël. Et ça, c'est les gens qui ont réussi, mais il y a aussi environ 6000 tentatives de suicide. Et environ 25% de ces gens-là, c'est des soldats. Parce qu'ils sont dans une situation de pression constante. Des situations compliquées. C'est des enfants. Ils ont une arme. Un homme qui veut se suicider, il veut se suicider selon vous? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi il le fait? Il m'a dit le kaban, c'est la personne qui s'occupe de la santé mentale des soldats. Que le suicide, c'est la solution finale à un problème temporaire. Si quelqu'un a été présent au moment des fêtes, sûrement qu'il ne l'aurait pas fait. Alors c'est pour ça qu'au moment où tu es fait, au moment où on perd espoir, il ne faut pas perdre espoir entre guillemets. Se rappelez que la difficulté elle est temporaire. Et c'est ça ce que veut nous enseigner la majorité des fêtes juives. On pourrait résumer les fêtes juives en une seule phrase. Ils ont voulu nous tuer. Ils n'ont pas réussi. Venez, on mange. Et
une fois c'est les oreilles d'avant, une fois c'est les beignets, juste la nourriture elle change quoi. En fait on était dans une situation compliquée, mais on s'est maintenu et on s'en est bien sorti. Il n'y avait pas une situation pire que Pourim. D'anéantir et de massacrer tous les juifs, du jeune au plus grand, en un seul jour. Mais en un seul jour, tout s'est retourné. Le langage des sages, c'est que ça s'est renversé. Donc il faut se rappeler que toujours il y a quelqu'un en haut qui nous garde. Encore une histoire. Au moment où mon ami il est décédé, on fait des Shabbat à toutes les familles endeuillées qui ont perdu un soldat. Et chaque Shabbat, il y a une des familles qui raconte son histoire. Il y avait une des familles qui était la famille Emmanuelov. Dalia Emmanuelov, il y a Ima Shel Dvir. Il y avait donc Dalia Emmanuelov qui était la mère de Dvir. Dvir n'erak b'mechem tofaret Yitzhuka. Et Dvir, il a été tué pendant la guerre de Yitzhuka. Motzei Shabbat, l'ifnei ha-melchama, il dibra eto. À la sortie de Shabbat, elle avait appelé avec le téléphone. Elle lui a demandé, Dvir, tu vas rentrer cette semaine? Et Dieu ne sait même pas si je vais rentrer tout court. Elle dit, ne parle pas comme ça, tu vas venir, tu vas revenir. Le lendemain, et donc à 5h du matin, ils sont rentrés dans Gaza. Hamas, ils ont ouvert le feu et il est mort sur le coup. Quand les commandants ils sont venus annoncer la nouvelle à Dalia, elle les a à peine vus qu'elle s'est évanouie. Elle a dit que pendant 3 mois, elle ne pouvait pas sortir de chez elle. C'était si dur qu'elle ne pouvait pas aller travailler. Mais le moment le plus dur, c'était le jour d'anniversaire de Dvir. Le jour de son anniversaire, elle s'est assise sur son lit. Elle s'est tournée vers Hachem. Elle a dit, Hachem, c'est compliqué. Donne-moi un signe que à Dvir, ça se passe bien. Donne-moi un signe que ce n'était pas gratuit. J'ai besoin d'un câlin de Dvir parce que je suis sa mère. Et comme ça, elle s'est endormie sur son lit. Le lendemain, sa grande sœur à Dvir, elle est venue réveiller sa mère en disant, écoute, il y a le concert de Meir Banaï, viens avec moi, on y va. Comme un homme du concert, j'ai pas la tête concert. Il s'il te plaît, ça fait 3 mois que t'es pas sorti de la maison, viens, on y va. Donc ils vont au concert finalement, ils sont assis sur les chaises. Avant que le concert commence, il y avait un petit garçon de 3 ans en blond qui passait comme ça entre les rangées. Il s'est mis devant Dalia et il a commencé à lui sourire. Dalia, shalom. Shalom. Il a dit shalom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Eshel. Eshel, très joli, Eshel, chez moi des fêtes. C'est un très beau prénom, Eshel. Tu veux être mon ami? Oui. Alors, raconte-moi quelque chose de sympathique. Alors, le petit garçon m'a dit, ouais, j'ai un petit frère et je l'aime beaucoup. Ah, je suis très content pour toi. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Dvir. Elle a eu des frissons. Elle a dit, écoute, elle lui a pris la main, elle a dit, écoute, emmène-moi chez tes parents. Mais ensuite elle a demandé à sa mère, elle a dit, écoute, excuse-moi, mais tu as un enfant du nom de Dvir. Elle dit, oui, c'est le bébé dans la poussette. Alors elle lui demande, de tous les prénoms qu'il y a dans le monde, pourquoi précisément Dvir? Parce qu'il se trouve que cette femme, elle était enceinte. Et les médecins, ils ont dit à la dernière radio qu'elle avait faite que son enfant, il avait un défaut majeur et que ça mettait sa vie en jeu. Elle était rentrée à la maison bouleversée.
פתאום אני שומע בחדשות חייל צהר ראשון נהרג דביר אימנואלוב. Et à ce moment-là, elle a entendu aux nouvelles que le Khayal Dvir Emmanuelov, il était tombé. Elle a dit, je ne sais pas si c'est permis ou interdit, mais je suis quelqu'un de très, pas très religieuse, mais très croyante. Alors je me suis tourné vers Hachem. J'ai dit, Hachem, viens, on fait un pacte. Si tu me donnes un enfant bari, je l'appelle Dvir, ce Khayal qui est mort. Si tu me donnes un enfant en bonne santé, je l'appellerai Dvir sur le nom du soldat Dvir Emmanuelov qui est Yifar. Et donc après 2 mois, est né un enfant en bonne santé. Les médecins se sont excusés en disant peut-être on n'a pas compris, on a mal vu. Moi j'avais très bien compris qu'ils avaient très bien vu, mais que Hachem avait fait son travail. אז אני גם עשיתי את שלי וקראתי לתינוק שלי דביר, השם דביר אימנואלוב, זיכרונו לברכה. Alors moi j'ai fait ma part du contrat et j'ai appelé mon garçon Dvir sur le nom de Dvir Emmanuelov qui était Niftar. אמרה, דליה, את יודעת מי אני? Alors דליה elle me dit, mais tu sais qui je suis? אני אמא של דביר. Je suis la mère de Dvir. אני לא מאמינה, אז קחי דביר, דביר תן חיבוק לאמא. Ah, incroyable, alors dans ce cas-là, prends Dvir et fais-lui un câlin. ודליה פרצה בבכי. Et elle s'est mise à pleurer. Les deux, elles ont raconté cette histoire pendant Shabbat. Elles ont terminé avec ce verset. Même si je vais dans les vallées de la mort, je n'ai pas peur car tu es avec moi. Si les sages disent que pendant le mois d'Adar, on doit multiplier la joie, ça veut dire que c'est possible. Pour nous enseigner que le signe du poisson, c'est, on peut toujours voir de deux manières. Même dans les périodes difficiles, il y a toujours un peu de lumière et il faut s'y attacher de regarder. Et c'est vrai que la difficulté, elle peut toujours être pire. Alors venez, on apprécie ce qu'on a déjà et pas ce qu'on n'a pas. Et venez, on se renforce dans le don. De donner l'un à l'autre. De donner à nous-mêmes. De ne pas oublier les autres. Parce qu'Hachem veut qu'on soit ensemble. Et précisément les gens qui sont proches de vous. Ils peuvent passer des périodes qu'on ne peut même pas imaginer. Alors rappelez-vous, la difficulté, elle passe. Et rappelez-vous surtout des 2 doigts. Hachem, il est plus proche de vous que les 2 doigts de la main. Et que ce soit la volonté d'Hachem qu'il a fait des miracles aux générations de nos pères, il en fera dans notre génération. Merci. Je veux dire Florence, c'est car Florence est un très bon chayalim. Toda rabba lachem she'ekshavtem. Mezet levarech et kulanu bezrat Hashem. Shelikulanu yeh briut eitana, parnasa v'shefa, shalom bayit, nachat hayiladim. Shehashem yishmor al kulanu. Hashem yishmor al kol chayalei tzva'a hagana lisrael, ve'al kulanu. Amen. Amen.